C'est une course contre la montre qui a été enclenchée par les autorités depuis samedi 8 juillet au soir. Émile S., un petit garçon de 2 ans et demi, a disparu du jardin de ses grands-parents situé au Vernet. Quasiment 24 heures après la disparition de l'enfant, aucune alerte enlèvement n'a été déclenchée. Le fait qu'aucune activité ou comportement suspect n'ait été observé à proximité d'Émile, peu avant sa disparition, pourrait expliquer pourquoi le dispositif n'a pas été lancé. Des recherches, mobilisant la gendarmerie, une cinquantaine de secouristes, des villageois volontaires, des brigades cynophiles, chiens, et les pompiers, sont en cours, a rappelé Libération. Selon nos confrères de BFM TV, un hélicoptère et des drones sont également utilisés afin de retrouver le petit garçon. C'est vers 17h, alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents à Vernet, qu'Émile S. a disparu, peu après s'être levé de sa sieste. La brigade de recherche de la gendarmerie de Digne-les-Bains supervise actuellement les opérations, a rapporté le Huffington Post. Alerte enlèvement, quelles sont les conditions nécessaires pour l'enclencher? Le dispositif alerte enlèvement a été mis au point afin de fournir une masse d'informations concernant un mineur disparu à la population. Ceci dans le but de recueillir le maximum d'éléments permettant de le retrouver le plus rapidement possible. Le site du ministère de la Justice rappelle que ce dispositif est déclenché, en cas de disparition ou enlèvement, avéré ou non, d'un mineur lorsque la victime est en danger, ou que son intégrité physique est menacée et lorsque le procureur a à sa disposition des informations dont la diffusion va permettre de localiser l'enfant disparu ou son ravisseur. Il est également précisé que seul le procureur de la République bénéficie de la compétence territoriale qui lui octroie le droit de décider si une alerte enlèvement doit être déclenchée ou non. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, photo de famille Yahoo. FR.